Bon, aujourd'hui je vous retrouve pour un weekly vlog un peu spécial. Ce sera le dernier weekly vlog que je passe au lycée. Et ouais, franchement j'ai pas envie de faire une vidéo hyper triste et hyper dramatique. Donc je vous propose de vous laisser avec mon weekly vlog où je vais détailler un peu mes ressentis. Voilà! Là, je suis dans mon lycée. On est en Perme. Je sais pas si je vais en cours cet après-midi. Pas grave, on vous croyait inséparable. Tout le monde aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça va être un weekly vlog. Ça fait pas mal de temps que j'ai fait de weekly vlog. Et ça va être ma dernière vraie semaine au lycée. En fait, il y a juste mardi, lundi, mardi. Mercredi, j'ai à moitié cours. Je sais pas si je vais y aller. Et en fait, j'ai pas pensé à faire cette vidéo avant, j'avais pas réalisé que c'était ma dernière semaine au lycée. Mais ça me fait bizarre parce que je vous ai vraiment emmené depuis le début de mon lycée et là c'est la fin et donc je voulais faire un vlog. Puis après, il y aura plein de jours fériés donc je vais vous montrer un peu mes révisions. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Dans les paras, bonheur ne montrera jamais, jamais son vrai visage, fausse vérité, vraiment. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve, on est mercredi, j'ai décidé de ne pas aller en audio. Petit update, aujourd'hui on est mercredi donc j'ai pas cours. ADS. Voilà, je suis assez contente que j'ai pas cours, ça me fait bizarre parce que la semaine prochaine je crois c'est le seul moment où je vais retourner en cours. J'ai une épreuve d'oro sauf que c'est Rémi qui m'a convoqué. Ce serait cool qu'il me la rende parce que c'est un petit peu problématique pour le bac que je n'ai pas de convocation. Ça me fait trop bizarre de me dire que c'est ma dernière semaine de cours. Donc là il y a Noémie qui dort chez moi. Par contre je suis dégoûtée, genre j'étais tirée au sort, tirée au sort pour un meet-up avec genre une meuf que j'aime trop, genre My Better Self. Sauf que je peux pas y aller parce que genre c'est demain, c'est à Paris et c'est le soir. Donc c'est un peu compliqué et je suis dégoûtée. Et aussi Léna elle faisait un meet-up aujourd'hui, j'ai voulu obliger mon copain à m'accompagner. Mais il a refusé. Insultez-le en commentaire. Sinon, je vais attendre que Noémie s'habille et puis on va discuter avec nous. Enfin, je sais pas comment dire, mais moi j'ai préféré le lycée pour tout ce qui est sorti et tout. Genre, on est grave plus sorti au lycée. Ouais, on avait carrément une meilleure vie. Dans le lycée, t'as le temps pour manger, tu peux. Enfin, moi j'adore la cantine, ma vie, mais. Oui. Mais genre, le soir, sortir, aller prendre des cafés, désolé pour les cris derrière. Aller prendre des cafés, faire des trucs comme ça. Enfin, genre, on a eu carrément une meilleure vie sociale. Et aussi, au collège, j'ai l'impression que tu vis que par classe. Ouais. En mode, alors qu'au lycée, pas du tout. Moi, j'ai. Mais surtout, je pense, toi, vu que t'es en ES, t'as un peu la même classe tous les ans. Ouais, j'ai ma même classe pendant 2 ans. Et. Franchement, genre, ouais, non, ça s'est amélioré. En plus, les gens sont plus matures en terminale. Enfin, qu'au collège, genre, vraiment. Enfin, au collège, tu peux pas t'habiller comme tu veux. Enfin, je pense que j'aurais une autre vidéo, genre, comparaison. Mais donc, bref, si tu pouvais résumer ton lycée. Genre, un point positif, un point négatif. Ou une anecdote. Ouais, bah, le point positif, ce serait la liberté. Point négatif, ce serait de travailler le samedi. Par contre, en point positif, ouais, c'est la vie sociale, genre même la liberté et tout. Tu fais un peu. Enfin, ouais, t'as une vie. Enfin, moi j'ai adoré, genre je me suis fait plein de potes, j'ai eu carrément une vie sociale beaucoup plus développée qu'au collège. Après, c'est normal, au collège on avait pas de soirée, tu vois. Mais je sais pas, j'ai beaucoup plus aimé. Enfin, non, franchement, j'ai. Voilà. Et est-ce que tu regrettes ta filière? Non, franchement, je regrette. Ouais. Bah, en vrai, genre, j'aurais bien aimé quand même faire ES. Genre, ce que vous faites et tout, je trouve ça bien. Ça aurait été une autre vie un peu. Ouais. Mais j'aime bien aussi S. Enfin, on a fait plein de trucs en S que j'ai bien aimé. Genre, c'est plus poussé parce que j'ai l'impression, tu sais, genre, t'es au collège, tu fais, par exemple, en physique chimie, tu fais des expériences. Bon, t'as pas le loisir de te mettre de l'acide dans l'œil. Mais tu sais, genre, tu mets du sucre, tu le dissous dans l'eau, voilà, et tu sais pas pourquoi ça descend. Waouh, génial! Là, c'est dissous, c'est pas dissous. Mais voilà, donc nous, le lycée, ça a été carrément.
enfin je sais pas, ça nous a fait grandir carrément. Ouais. Genre ayez pas peur non plus parce que franchement ça change pas grand chose. Enfin, genre nous nos potes, vraiment tous mes potes qui m'emportaient du collège, ils sont toujours là au lycée. Mmh. Mais genre, je pense en plus que même dans d'autres lycées, au lycée, genre c'est plus court que le collège et ça va super vite. Et tu, en fait, on travaille pas encore de ouf, je pense. Dans le supérieur, on travaillera plus. C'est un peu le moment où t'es entre deux, genre tu peux profiter, tu peux sortir et tout. Ouais, franchement, le lycée ça passe, mais tellement vite. Parce qu'autant au collège tu grandis, enfin, même physiquement tu grandis, alors que le lycée, moi j'ai l'impression que c'était hier que je suis arrivée au lycée. Genre, surtout en première, enfin, non, c'est dingue. Enfin, ça passe vite, en même temps, ça passe lentement, mais voilà. En tout cas, n'ayez pas peur du lycée parce qu'il n'y a rien de fantastique non plus, hein. Et nous, ça nous fait trop bizarre parce qu'on part tous dans des voies différentes et tout. Ouais, même dans des villes différentes. Ah, c'est triste là. On va lâcher une petite larme. Ouais. Voilà, je vous laisse avec la suite du vlog. Aussi, je voulais remercier la marque L'Occitane pour leur petit envoi. Donc, j'ai reçu 3 produits. J'ai reçu une sorte de labello, mais qui. Je vous ai fait un petit sourire. Oui, je suis en train de réviser mes maths. Qui colore un peu les lèvres et ça fait une sensation hyper bizarre, genre de refroidissement. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais voilà, c'est leur nouvelle gamme. Ensuite, j'ai reçu un rouge à lèvres et je ne sais pas où je l'ai mis. Mais pareil, il est hyper discret. J'ai reçu ce petit gommage de lèvres. Donc, je vous le montre comme ça. Et il est à la framboise. Et genre, vraiment, l'odeur, c'est dingue. On dirait de la framboise. J'adore. Donc, personnellement, je m'en utilise. Enfin, je l'utilise pour tout le visage. Et voilà, puisque je trouve que c'est plus, plus intéressant. Et donc, voilà. Merci beaucoup. Ils sont vachement cool, l'odeur. Top. Vérité, vraiment, son mirage, je te traite comme un animal. Si t'es pas né du bon côté du rivage, veux que je veux plus m'asseoir à leur table. Petite pause pendant que je plane mes vidéos que je regarde tout le temps. En ce moment, des vidéos sur le ramadan. Je sais que c'est trop bizarre, genre je suis pas du tout musulmane quoi, mais je trouve que c'est vachement intéressant et ça casse beaucoup de clichés. J'adore regarder des routines comme ça et je pense que je suis pas la seule parce que c'est vraiment les vidéos qui marchent en ce moment. Et ça m'en apprend beaucoup plus sur d'autres religions et vraiment je trouve ça hyper enrichissant. Donc je vous conseille parfois de vous perdre sur YouTube, même si en ce moment j'ai vachement envie de faire une petite détox, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais vraiment je trouve ça hyper cool, hyper intéressant et non vraiment j'adore. Ok, donc là on est samedi soir et je pars au Jandinon juste pour boire un verre. Voilà. Hello tout le monde, je suis désolée, j'ai oublié de clôturer le vlog. On est lundi, donc le lundi d'après. Je ressemble à un cadavre parce que je suis allée à la salle. Donc oui, je me suis réinscrite à la salle, je pense que vous l'aurez compris durant ce weekly vlog. J'y suis allée à peu près tous les jours parce que j'avais du temps. Je fais des séances, enfin genre moyenne on va dire, pas au maximum de mes capacités, mais comme ça je peux y aller tous les jours et j'aime bien, ça me détend. Ensuite, voilà, j'espère que ce weekly vlog vous aura plu, j'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à me dire quelle vidéo vous avez envie de voir, parce que c'est vrai que là je vais faire une petite pause par rapport à YouTube. Enfin pas une pause, mais j'ai pris beaucoup d'avance pour mes futures vidéos. Comme ça pendant les révisions, bah, genre j'aurai plus qu'à faire le montage ou des trucs comme ça. Et ça me détend de faire le montage, mais j'ai pas forcément à chaque fois le temps de filmer. Parce que quand je filme en fait je passe une heure à foutre le bordel et une heure avant j'apprends. Donc ça me prend 2h30, 3h à filmer, donc c'est relou. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta, je vous mets mon Insta ici. Je pense que je vais commencer à faire aussi des petits IGTV parce que j'ai vachement envie de commencer, je trouve ça cool. Et voilà, bye Namif et bonne chance pour vos examens si vous en avez. Et bonnes vacances si vous en avez pas.